Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un jeu qui n'est pas encore sorti, mais une bêta, Tom Clancy The Division. Alors nous sommes sur la bêta ouverte de ce jeu. Alors là, nous allons commencer directement par créer notre perso, alors mâle. On n'a pas vraiment le choix, mâle, femelle, on va prendre mâle. Ah lui il nous plaît bien par contre. On va tout de suite le prendre lui, yes. Alors on n'a pas vraiment beaucoup de choix, hein. C'est bien sûr, c'est une bêta. On peut pas encore changer les accessoires, les cheveux, le visage et tout. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas là plutôt pour le pour la description, mais je vous laisse l'intro. Et voilà New York. J'en sais déjà un petit peu plus sur la première vague. Certains sont morts et les autres sont portés disparus. Il ne reste plus que nous deux. C'est pour ça qu'il va falloir faire ça en équipe. Il n'y a aucune autre solution. ICF 68 à jour. Hudson en visuel. Ouais, les deux agents de la division à bord. L'explosion, c'était leur hélico. Ok, prêt pour l'atterrissage. JTF 68. Normalement, il faut attendre avant d'être certain de pouvoir compter sur quelqu'un. Et là, j'ai pas le temps. Je dois vous faire confiance. J'ai pas trop le choix. Et j'espère que j'aurai pas à le regretter. Bienvenue au quai du Hudson. Je sais vraiment pas ce que vous venez chercher ici. Tout ce qu'il y a derrière cette barrière, c'est une putain de bombe de guerre. Qui commande les opérations ici? Le capitaine Benitez dirige l'évacuation du Madison Square Garden. On a perdu contact avec son escouade ce matin. Si on n'a pas de nouvelles, on évacue. Je veux pas entendre parler de repli. On va reprendre la ville. Emportez tout ce dont vous aurez besoin. Je vous rattrape dès que je peux. Alors bonne chance. Vous allez en avoir besoin. Merci. Alors, ça y est, on se retrouve enfin dans la bêta de The Division. Alors, tout est en anglais, bien sûr, c'est un peu normal. Hein. Allez voir l'intendant, vous devriez le trouver juste de l'autre côté. Alors, le jeu est magnifique. Rien qu'au premier coup d'œil, vous pouvez voir. Il est déjà magnifique. Alors, je ne connais pas, j'ai pas regardé les autres vidéos des autres youtubeurs qui sont vraiment en meilleure qualité quand même. Mais, normalement, si je crois bien, la ville de New York, comme vous pouvez voir là, on est ici. La ville de New York, tout ça, devrait être attaquée ou c'est une zone de guerre par d'autres personnes, il y a eu un virus ou je sais pas quoi, et on doit aller par là normalement. Friend. Kalinouche. Oh, ah oui, oui ça, vu que c'est en ligne, c'est beaucoup en ligne, du coup on peut voir nos amis. Alors on va commencer directement. Alors j'espère que l'intro... Du coup il va quand même... Ouais, je vais juste regarder inventaire vite. Alors il faut être bon en anglais. Alors ceux qui connaissent bien New York, alors là on a déjà parlé du Madison Square Garden, c'est une sorte de, pas d'arène, mais un grand bâtiment pour les réunions, les grands événements sportifs. Par exemple, vous avez le basket avec New York, les New York Knicks, vous avez le catch et tout ça. Passez par là. On va vérifier que vous êtes
Alors j'aime le perso, j'ai eu de la chance d'avoir tombé sur un perso comme ça, avec la barbe et tout, avec la coupe des cheveux. Bon, on va déjà avancer dans les trucs. Regardez-moi comment c'est beau quand même. Alors pour moi c'est totalement une découverte, hein, pour certains aussi. Enfin, un autre joueur, Xenus, niveau 4. Alors, je peux voir le joueur. Ouais. Ça m'intéresse pas. Alors, regardez, vous pouvez voir les gens. Oula. Vous pouvez voir les joueurs. Les gens, je veux dire, qui sont morts. Souvent dans cette attaque. On se croyait dans l'attentat du 11 septembre, en vrai. Scotty, Sol Dixiver. Ah, c'est quand même marrant, ils parlent français quand même les gens, mais là il faut acheter des trucs niveau 4, mais je sais pas quand niveau. Bon, on va courir les gars. Ah bah attends, je suis quand même niveau 4 aussi. On est tous niveau 4 en fait. Je pensais qu'on était commencé niveau 1 maintenant. Là c'est quoi autre les... Open stash. Power, moi je sais pas que ça en fait. Et ça, lui. Wow, wow, il y a plein de poids partout. Ah, ça a téléchargé des nouveaux points sur la map. Ah, d'accord, regardez, ça rajoute des points sur la map. Bon, on va avancer. Alors c'est vraiment un jeu survie, hein. Il n'y a pas de zombies bien sûr, ah, j'espère pas. Ah, on m'en fout moi. Et pour ceux qui ont peur des zombies. Bonjour. Oh là, on s'en sort déjà son arme. Alors là, il faudra faire gaffe, si j'ai bien compris. Regardez, j'ai juste regardé un truc. Voilà, là c'est pour se cacher. Parce qu'on a eu une sorte de petit, juste avant de créer ce perso. On a eu une sorte de petite intro, encore avant l'intro. Pour nous dire comment avoir les bases du jeu pour lancer une grenade, avoir la map, les habilités, les compétences, vu que c'est un RPG quoi, il y aura des compétences. Notre perso évoluera au fur et à mesure. Alors justement, tu as un autre joueur. J'ai un autre point. Je sais pas si c'est normal ou quoi. Les deux personnes là, je sais pas si sont des ennemis ou quoi. On va courir, allez go. On va suivre le trajet, alors le trajet c'est bien. Alors j'ai une autre main. Ah, j'ai un pistolet. Chelsea. Alors je sais pas pourquoi. 400 XP, d'accord. Attendez, il y en a. J'ai un point ici. Ah ah. Voilà. On a collecté un truc. Non, ça pourrait prendre des véhicules en jeu ou quoi. Non, non, non. Non, on peut pas. Alors, tout en anglais, je suis pas le meilleur en anglais quand même, alors je pourrais pas tout vous traduire. Encore heureux que les dialogues sont français. Oh, et ça, on aurait dit un scanner comme dans Watch Dogs. Enfin, ça, aucun ennemi à signaler. On est quand même loin, hein. Bon après, il faut tourner à gauche et voilà. Pennsylvania Plaza. Ah, c'est vraiment beau. Alors, toi, là, c'est vraiment Noël, là. C'est tellement beau. Regardez-moi, c'est ça, quoi. Graphiquement, c'est bluffant. Ça me bluffe plus que Batman et Arkham Knight. Je sais pas si on peut interagir avec les gens là. Ah, attendez. Ils disent à appuyer sur start, habilité. Médical, technique, sécurité. Équipe skill. Médical, je sais pas ce que ça veut dire. Attends. Sûrement que ça doit donner des avis. Bon, je sais pas du tout. J'ai utilisé un détecteur de. Allez, déjà des ennemis. On va commencer à se cacher déjà. Alors c'est magnifique, on les a eu en deux zones.
voir lancer ce qu'ils ont. Bon, on a déjà tué des ennemis, c'est déjà bien. Doucement, tout va bien. Ouais, vous inquiétez pas. Là, là, il y a encore une zone ennemie. Alerte, communication radio JDF intercepté. Oh, il y a un allié ici. C'est un autre joueur. Oula, je sais pas ce qui se passe ici. Oh, oh, ouais, c'est la guerre ici. Wow, oh, c'est parti, c'est déjà parti. Pas. Alors, recharge, on recharge. Bon, déjà tu as. Et voilà. Ah, apparemment, il faut défendre les officiers. Oula, lui, ça qui l'a fait. Hop, on se fait des kills là, allez. Et voilà. On a réussi apparemment. On va prendre cet item. On a le water. Tac. On a une nouvelle arme apparemment. Dans le secondaire. Alors, caractère overview. Tac ici. M4, MP5, non, on va regarder la M4. Hein. Oh, c'est pas grave. Oh, bah, c'est pas grave. Par contre, je sais pas c'est quoi ces points-là. On va juste faire un petit détour là-bas. Je sais, je sens plus mes doigts. On va recharger. On a une sorte de point là, un compteur. Alors, la map est quand même bien faite. Hein. Regardez-moi ce vue en 3D. On a dépassé Kalinouche, il était là-bas. Alors, on peut l'inviter dans un groupe, mais c'est pas. Bon, on va aller. On fera les trucs verts hein, plus tard. On va avancer des raquettes. Alors, déjà, première petite bataille entre des mecs. On sait pas qui ils sont. Je peux faire sauver mes arrières quand même. Ah, voilà une glissade. Ici Feilo, agent de la division habilité et autorisé par décret présidentiel et par la directive 51 du DHS dans le cadre de l'opération Réponse Phase 2. Si vous m'entendez, on est attaqué. Il nous faut des renforts à qui nous envoyer. Envoyez-vous si vous pouvez. Hey, y a quelqu'un au moins? On arrive. Faites juste gaffe de ne pas tirer sur ceux qui vont venir vous aider. Terminé. Ouais, pour moi, c'est la guerre. Et vous pouvez voir déjà le Madison Square Garden. Hein. C'est vraiment bluffant, c'est vraiment mieux. Ouais, on y va, c'est bon. Ouais, on arrive. On va s'accouvrir. Alors, je sais plus comment lancer grenade. Par contre, toi, tu vas pas lancer grenade. Alors je sais pas ce qu'il nous a fait. Regarde, c'est un allié ça. Ah non, c'est juste que lui. Ah, je pense que c'est un allié, mais en fait non. Voilà. Normalement, je ne veux pas être couvert comme je devrais être un couvert. Qu'est-ce que je veux dire? On va prendre. On va prendre, voilà.
on va se coucher. Allez. Par contre, je vois plus rien. Voilà. On va coucher de lancer sa grenade. Et voilà. Centrale, la situation est sous contrôle. Voici mon rapport officiel. Les gars de la division ont sauvé nos fêtes. Et voilà, on a sauvé nos fêtes. Merci pour le rapport, équipe Bravo. Heureux que vous soyez en un seul morceau. Faites attention à vous et bonne chance. Maintenant, on va reconstruire la base. Allez, jetez un œil. J'ai réussi à trouver un moyen de transport et je me dirige vers votre position. Ensemble, on va y arriver. Bon, allez, bon, on avance. Système de ventilation. Toi, c'est cinématique, ouais, c'est cinématique. Agent, il faut que notre base soit fonctionnelle et que les habitants de New York comprennent qu'on est en train de reprendre la ville. Notre base d'opération a du potentiel, mais pour l'instant, elle fait peur à voir et on n'a personne pour la staffer. Si on veut être opérationnel, on a besoin de pros, et vite. Des médecins, par exemple. Et il y a une virologue qui gère un hôpital au Madison Square Garden. Mais la zone est un vrai bordel. Avec elle, on pourra rouvrir l'aide médicale. Sans elle, par contre. On a perdu le contact avec le commandant de la JTF, Benitez. Ramenez-le, il nous le faut pour mettre en place le département sécurité, et puis ce sera bon pour le moral des troupes. Il faut aussi qu'on rétablisse les services de base. On a besoin d'électricité et de renseignement. Il y avait un type qui travaillait dessus, mais il a eu un problème au cours d'une réparation. Sans lui, on est dans le noir. Alors si je comprends bien... On peut synchroniser la progression de chacune des ailes de la base. De manière à ce qu'on ait une meilleure idée de ce qui se passe. Plus cette base sera stable, mieux le reste de la ville s'en portera. Alors, il y a plein de choses à faire, hein. Alors, surtout que c'est en anglais, c'est super chiant. Mais, alors, qui parle des munitions et tout. Ce qui est incroyable, c'est que on arrive déjà à la première base et on a une sorte de... Ça fait penser aux Assassin's Creed quand on devait construire notre base et tout, par peu, monter en journey dans Assassin's Creed 2. Là, ça fait pas la même chose. On doit pas pour retrouver une virologue pour rétablir l'aide médicale. Après, faut retrouver un mec pour les informations, retrouver des ressources pour l'électricité et tout. Et retrouver le chef pour le saut de sécurité. Ça, c'est ce qui doit être bien. Je me demande si on peut le partager pour tout le monde ou pas. Alors, on va voir ça. Complete the Lincoln Tunnel Code Checkpoint mission to save Roy Benitez and bring the security room. Alors là, on a toute une quête pour dire que. Là, pour sauver Benitez. Hein. D'accord. Je sais pas, alors je touche pas à ça parce que je sais pas vraiment. L'aide technique. L'aide technologique a connu des gens meilleurs. Mais si vous arrivez on va toutes les quêtes, tant que ça soit pour le faire. Alors je ferai sûrement plusieurs vidéos. Hein. Pour avancer dans tout ça. Je pense qu'il nous sera très utile. Pour l'instant, l'aile médicale fait peur à voir. Mais une fois que la virologiste sera là, on pourra monter une équipe, enquêter sur les origines du virus et obtenir plus de renseignements. Pour les civils, mais pour nous aussi. Alors, on va dire que c'est notre base d'opération. Juste là, à côté, c'est le Madison Square Garden. Le truc en 3D, la map est très bien faite. On va y aller tout de suite. Ah, et on peut acheter des trucs. Tu cherches un truc ? Je l'ai. Vendre. Ah, j'ai une AK-47, merde, j'avais pas vu. Je vais juste regarder. Aviateur, première arme. Ah, mais on fait moins de dégâts par contre. Ouais, on fait moins de dégâts. Mais celle-là elle fait plus de dégâts, mais je préfère pas tout. Mode. Ah d'accord, on peut rajouter des modes. Je crois que j'ai une poignée. Voilà. Équipe. Et ben voilà. Je vais équiper, voilà. Back. Et je vais revendre tout ce que j'ai. Le mec là. J'ai un catalogue de bâtards, moi, regarde ça. Bon, on dit pas des grands mots, monsieur. Tac. Alors je sais pas où c'est de l'argent. Inventaire 113, donc c'est bon. Bon, on va avancer. Ah bah le blanc. Écoutez, j'ai une mauvaise nouvelle. Je ne pourrais pas vous accompagner, enfin, pas avec une jambe dans cet état. J'en fais un maximum depuis ici, mais c'est pas pareil. Je crois que vous n'imaginez pas à quel point je voulais être sur le terrain. Je me suis entraînée toute ma vie pour vivre ce genre de situation un jour. Mais c'est pire que tout ce qu'on a pu imaginer.
Vous et moi, on nous a interdit de nous attacher à qui que ce soit pour pas être perturbés le jour où on nous active. Eh ben, j'ai obéi. Et ça a pas marché. Je me sens impliquée. C'est mes compatriotes, c'est ma ville. Et on va la reprendre. Écoutez, il faudrait que... Oui, je sais. Je sais. Ils comptent sur nous. On peut pas les abandonner. T'inquiète pas. C'est incroyable comment elle résiste à la jambe cassée ou je sais pas quoi, à la... un an et au moins on pourrait dire, et arrive à... elle arrive quand même à résister à tout ça, c'est incroyable. Elle est très forte cette femme, elle est très forte. Qu'est-ce que ça nous a donné toi? On a besoin de vous. Salut. Alors comme ça vous êtes un agent de la division. Eh oui, on est des pros. Super. Bon, essayez de pas trop faire attention au carnage qui nous entoure. Le fait que tous ceux qui ont essayé de faire la même chose que vous ont échoué et sont morts dans d'atroces souffrances. Mais non, on est des pros, nous. On peut parler à la guerre de triage. On tente de parler en même temps, le destin frappe au hasard, il est cruel, bon. Il est désolé, mais c'est pas aujourd'hui, mais. Il y a une vidéo à tourner. C'est une personne bonne. Pourquoi une personne de. Ah, c'est ça. On va utiliser ça. On a besoin de vous. Allez, là, ça. Montre, vous pouvez voir mieux le Madison Square Garden, et voilà. Alors on a plein de nouveaux points. Vous voulez cette balle? Écoutez, moi j'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Alors. Un otage à rescousse. Quel côté, c'est lequel? On passe par là. Allez, go. Alors je sais pas par où il faut aller, par contre il y a tellement de missions, c'est l'acte mission. Pendant 6 ans, vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Oula, d'accord. Merde. En vous touchant, je ne précise plus rien. Cinq missions, Zalo, partie 1. Alors ça doit être la quête principale, on dirait. Ouais, ça doit être la quête principale parce que ça part de la femme là. Voilà. Vous les êtes mal. Écoutez, moi j'ai étudié la médecine pendant 6 ans. Vous avez peut-être regardé des séries américaines en vous touchant la nouille. Les soigny points, voilà. On va déjà. On va pas faire la quête, la grosse quête. Je la ferai dans une autre vidéo. Ok. Ah non, non, non. Bon. C'est reparti. Alors, c'est vraiment beau, regardez-moi cette vue. Alors, je sais pas si on peut voir. Il a pas un stade building, on voit pas d'ici. Alors là, je crois que c'est une bibliothèque, si je me trompe pas ici. Attends, j'ai tellement vu de films que je sais plus si c'est la bibliothèque ici quoi. Non. Oh. Toi tu me fais peur toi. Fais gaffe à toi mon pote. Est-ce qu'on peut aller dans les supermarchés? Ah oui. Bon, on va aller faire nos courses les amis. Attention. Personne. Ah là il n'y a même plus de. Je veux du lait. Est-ce que vous avez du lait monsieur? On va aller à la caisse. Non, y'a personne. Bon bah on est des délinquants, on paye pas. Alors, j'ai fait attention quand même à tout ce qui bouge. Surtout les hommes. Ouais, j'ai 3 missions, mais là je vais faire juste une sorte de quête secondaire. Je vous montrerai plus tard la quête principale. Ça me fait peur, je me demande c'est quoi cette sécurité. Attention, présence hostile détectée. Ah d'accord. Oula! Attends, j'avais pas vu. Attendez, ah! Il est derrière moi, j'ai pas vu. Ça m'a l'air bon tout ça. Bon, je la prends, comme ça je pourrais revendre. Ah, attendez, ça j'en ai peut-être. Inventaire, ça. Ouais, armure. Je sais pas. Voilà. J'ai mis un armure. Et c'est tout. Il faut juste que je protège le mec.
Ou un sac. Ah, de l'eau. Ah, ça c'est bien. Ah, nous, on est déjà d'accord. Les clés d'otage. Les 6000 ont été mis en sécurité. Wow. Ah, c'est des civils, merde, j'avais pas compris. Je pensais que c'était un ennemi, en fait, non. J'ai eu peur. Merci. Ah, non, là, j'ai eu peur, je vous dis, je peux rien faire. Ah, une barre d'énergie, voilà. Bon, bah voilà, on a déjà fait ça. Maintenant, on va aller juste à la quête le plus proche. Alors là, ils me disent de repasser à droite, d'accord. On va les écouter. Allez, go. Toi, t'as l'air d'être gentil. Je te fais rien. Non, si en tous les cils, ça fait quoi? Voilà, en vie, j'ai deux kits de soins. Ça, c'est bon. J'ai trois grenades. Bon, ça on a l'air d'être tranquille pour le moment. Comment c'est quoi ça, en fait? Je me dis ça. Fabrique. Ah, une fabrique de conteneurs. Attendez. Fabrique. Ouais, mais je vais faire quoi dans tout ça? Trop bon, c'est pas grave. C'est pas le plus embêtant, on va dire. On va vite aller à la quête. Ah, il commence à faire jour, là. Regardez-moi ça. Comment ça fait un jour, c'est magnifique. C'est bien ça. C'est bien tout ça. Hop, on fait des petits sauts. On peut montrer le style qu'on a. On est bientôt au niveau 5. Hein, aussi. Ça monte vite le niveau. Bah, tant mieux. Un saut. Quartier général ennemi détecté. Oh, on a trouvé un quartier général. Alors. Oh, calme-toi, il n'y a personne. Regarde, c'est pas vrai. T'as vu? Il n'y a rien. Allez, retourne à ton poste. Hop, on se fait. Comment on fait déjà? Voilà. Faut que je m'habitue un peu là. Faut s'habituer, faut qu'on se le fasse vite. On a 5 minutes d'espace. Hop. Bim! Hop, on se fait. Et voilà. Et voilà, on monte niveau 5, c'est pas beau ça. C'est pas beau tout ça. En plus, on récupère un truc de médic. Hop, on prend l'item. On prend tout ce qu'on a. On va aller en haut s'il n'y a pas des trucs intéressants, mais pas l'air d'avoir des trucs intéressants. Regardez-moi cette vue, on va regarder d'ici. C'est quoi le logo d'ailleurs là? Clash Lone. Alors, regardez juste s'il y a un pote. Merde,
Tommy est là. Kanushi est là. Alors j'ai deux amis qui sont connectés, ça c'est bien. Bon, c'est sur cette vue qu'on va se laisser. Ah d'accord, c'est comme ça qu'on pense. Bon, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye.